Démarche ça, son démarche spécifiquement qui veut faire tout le monde connaître. Après, nous faisons nos pour nous jeter, pour nous shooter, pour nous voyer à des questions de dictature, ça, nous voulons inventer. Ensemble de démarches, c'est pour nous faire sentir que toute action, ça, aujourd'hui, posée là, elle n'a pas été impunie. C'est ça qui fait que nous avons le tribunal citoyen, le tribunal symbolique, mais après ça, le pape symbolique, la réelle, a gagné de vrais jugements par rapport à ensemble de violations de la Constitution, a gagné de vrais tribunaux qui a constitué par rapport avec ensemble de pouvoirs que M. Krasé, c'est seulement exécutif là, c'est ça qui fait même une dictature, c'est parce que exécutif là seulement qui existait comme pouvoir, et par rapport avec ensemble de persécutions politiques qui ont fait sur ensemble de monde. Donc, Jean-Wed commencé depuis sur Mathias qui était exilé. Donc, ensemble de monde, il a pris le mandat de manière illégale derrière. Le cas de Yuri Chevry qui est obligé de quitter le pays. Plusieurs autres. Ensemble de prisonniers politiques que nous avons, je dis, nous tous prenons des convictions politiques qui sont en prison. C'est pour nous rappeler, population, nous-mêmes comme citoyens, nous-mêmes comme organisation droits humains, nous-mêmes comme organisation de la société civile, la personnalité, nous-mêmes comme syndicalistes qui entendent sous les belles n'a marché pour la vie, nous conscients et nous comprenons déjà des situations sérieuses, nous rappelons la population après la question de Jovenel Moïse, il faut que la question sérieuse posée. Il faut que la justice fait lumière sur ensemble de questions sérieuses. C'est spécifiquement éclaircissement responsable de faire pour nous montrer que je ne dis pas que nous avons fait symbolique citoyen seulement, la réelle après le départ. Merci beaucoup, et pour nous continuer à clarifier et position que ensemble d'organisations qui regroupent en bas les belles marchés pour la vie prend pour nous faire tribunal, ça, nous sommes capables de dire c'est. Yon pas nan yon marche historique nan tradition Haïti pour nous couper fâché, Jean camarade Gérald Sodila, avec pratique impunité. Côté que nan toute histoire pays, moun ki rive sous pouvoir yo, au lieu que yon utilise privilège à autorité que pouvoir baye pour yon travail pour bien-être nation, pour le travail, pour montrer que tu as bon genre raison pour les ancêtres qui ont chuté derrière les blancs français qui ont mis dans l'esclavage pour bonne liberté. Au lieu que c'est ça qu'on fait, tout dirigeant, nous, ou pour ne pas dire plus fort dirigeant qui passait dans l'histoire, diriger le pays, ça, toujours servi à pouvoir pour pousser d'autres peuples, mettre-le dans la boue, mettre-le dans le malheur, mettre-le dans la misère. Et après, ils ont joué nos gens pour régénérer tête sans la justice pas mandé yo causer. Donc, tribunal ça, c'est un pas dans une marche historique pour nous couper fâché avec pratique impunité. Côté que nous servions à l'État, nous servions à privilèges de pouvoir, nous servions avec autorité pour nous permettre à un petit groupe de monde enrichir tête, payer nos privilèges pays ça à cabaye. Comme si c'était groupe moun sa ou seulement si un desaline. Et chaque fois que la population vle sous l'école pour la bataille pour la liberté et bien-être, yon ban nou kidnapping, yon ban nou yon police politisée pour matraquer nous, yon ban nou dictatie, yon genye force internationale yon qui raciste, esclavagiste pour supporter tout ça, yon vle faire peuple haïtien passer comme bâti. Donc, tribunal ça, bral voyez un signal par la population pour dire que nous pas décidé continuer seulement rester dans résistance, mais nous décider tout pour nous couper racine qu'a fait chaque fois frère dictati, pied bois dictati, pied bois la misère, pied bois répression, li toujoune dans le pays d'Haïti et fait plus fort petit paysan trouver toujours dans mal cité. Et chaque lè, yo décide de lever campé, c'est massacre yo fait sou yo.
Ensuite, c'est de monde qui comprennent que vous êtes capable de servir avec ZAM l'État, pouvoir l'État, pour continuer à bailler la population en défi. Donc, dans ce sens, nous, non seulement nous avons fait le tribunal là, mais nous, même tout, dans l'initiative ça, nous avons couru tout mouvement qui visait faire nous arriver dans le soulèvement général que nous avons parlé là, pour le peuple haïtien rééditer l'histoire, pour le peuple haïtien refaire 1804 devant toutes les Nations Unies, toute ambassade américaine, tout gros pays qui croient que nous allons continuer à supporter le pouvoir qui a fait mal à nous, le pouvoir qui a kidnappé nous, le pouvoir qui a crasé l'institution la caille nous, le pouvoir qui a volé l'argent pays dans le Petro-Caribé. Je vous dis aujourd'hui, dans le budget pays, dette, c'est plus gros poste dans le budget pays devant l'éducation, devant la santé, devant tout le bagaille, alors que l'agence AIO, c'est un petit groupe qui vole l'agence AIO, ils ont acheté des armes avec eux, ils ont fait gros cailles avec eux, ils ont fait richesse avec eux, et puis le peuple a toujours dans la boue. Nous croyons que, fois ça, nous faisons une bataille pour nous couper fâché avec pratique AIO et pour nous couper fâché tout avec structure qui permet que nous capables de bourgeonner chaque élève haïtien en levé campé. Merci. Qui a la presse dans toute diversité dans le pays. Merci parce que nous toujours accompagnons les haïtiens, nous toujours accompagnons ensemble secteur dans la société depuis quelque temps comme bataille contre dictature parce que la démocratie a un danger. Maintenant, nous sommes là pour nous communiquer autour de nos initiatives que ensemble organisation dans la société civile là qui rassemble notre marché pour la vie, genre on est initiative que nous avons déjà eu, marche 10 décembre, marche 14 février qui sont faites là avec notre conseil de notre initiative encore. Maintenant nous là pour inviter nos nouvelles initiatives que l'équipe ça tourne. C'est un tribunal citoyen que l'on a organisé demain. Non, le Plaza. Nous connaissons une période, ça y est, son période qui nous crasse trouble pour les Parisiens. Nous décidons de prendre des initiatives aussi symboliques que nous avons, mais qui ont toute importance pour toujours nous battre pour protéger la démocratie parce qu'elle est en danger. Ma passionnée Jean-Léon, qui lui-même, va faire le cadrage pour nous de l'initiative. Mettre les plats. Non, changez pas. Voilà. Oui, alors, bonjour tout le monde, je suis Jean-Madame Jusqu'à donc, je vais essayer de dire, on a réalisé le tribunal, c'est un tribunal citoyen, sur la dictature. Donc, avant de continuer, alors, c'est un tribunal symbolique, on a donné autour de trois actes. D'abord, c'est violation flagrante de la Constitution. Qu'est-ce qu'une dictature? Parce qu'on donne un tribunal dit, on s'accueille, bien sûr, des noms qui accusent actuellement, c'est pas une dictature en Haïti. Automatiquement, le pouvoir le concentrer entre eux. Automatiquement, il y a un monde qui a le pouvoir dans même, entre ses mains, le concentrer le pouvoir, la exercer de façon arbitraire, et puis de contrôler les institutions, on est en pleine dictature. Et c'est ça une dictature. C'est-à-dire c'est la volonté de l'homme, au lieu de la volonté des institutions. Parce que lorsqu'on a parlé de démocratie, ce n'est pas l'individu ou la personne qui dirige, mais ce sont les institutions, et cela se fait en se basant sur le droit. Donc, nous prenons accès pour le droit humain d'abord sur la violation de la Constitution. Comme vous le savez, M. Jovenel Moïse n'a plus de mandat. Donc, là, le fait que nous voulons être sous pouvoir, il s'approche du pouvoir, c'est une violation du deuxième alinéa de l'article 134 de la Constitution. Donc, M. Jovenel Moïse n'a plus de mandat. Le deuxième pilier du tribunal, là, c'est la l'élection des institutions. Parce que je dis à toutes les institutions écrasées. Or, il y a une bagarre qui symbolise, qui caractérise la démocratie, ce sont les institutions. Parce que le bagarre de la démocratie, c'est l'institution qui est là pour appliquer la loi, pour faire respecter la loi. Donc, on va regarder
qui Jean, président Jovenel Moïse, a anéanti, crasé l'institution. Troisième et dernier pilier tribunal, ça, c'est la violation des droits humains et conséquences humanitaires. Donc, j'en ai parlé là, je dis à une situation côté que droits humains, les droits que nous avons introduits dans la dignité, sont systématiquement violés. Là, ça va faire un quartier populaire, leur économie légalement, entre autres. Donc, nous allons baser les droits sur trois piliers, ça, et puis parler une décision qui va le rendre. Une décision symbolique, ça, parce que le tribunal citoyen, son tribunal symbolique, décision ça, nous allons appliquer à l'occasion de cette grande marche, cette organisation que le secteur protestant a initié, mais nous-mêmes, nous avons beaucoup marché pour avec nous appuyer, donc on va faire deux conseils avec nous, avec d'autres secteurs, et les décisions, ça, nous allons appliquer le jour de cette grande mobilisation, à savoir le 28 février prochain. Donc globalement, et c'est ça, ces piliers ont été constitués et sans tribunal là. Donc voilà maintenant, c'est une des questions qu'on va aller partager avec vous avec les membres de ce panel. L'ANLI fait partie de l'ensemble des démarches que nous-mêmes, ensemble de ces présidents, qui nous pouvons parler de notre marché pour la vie, okay? C'est une nouvelle étape que nous situons. Donc son tribunal citoyen nous a porté symbolique. Côté que nous allons exprimer nos probations par rapport à ce qui a passé, mais en particulier le fait que nous avons pris la dictature, le fait que nous avons bien nous ce jour même qui n'a plus de mandat et qui vérifie ce pouvoir. Maintenant, à partir de demain, on peut continuer le tribunal à qui nous a plein d'un. Mais maintenant, l'objectif c'est annoncer le tribunal et puis dire l'ensemble des piliers qui constituent le tribunal. Donc là, ça en fait maintenant. Donc le premier matin, on peut tout partir et on peut comment le tribunal a bien. Et comme ça, il y a pris trois chefs d'accusation. Mais comme son tribunal, c'est le même des chefs d'accusation. Oui, le tribunal, c'est pour dictature. Mais il y a pris trois premiers. Comme ça, il y a pris trois chefs d'accusation. Pour gagner violation de la Constitution. Parce que je m'explique non dictature, c'est lorsque le bon monde qui est au pouvoir, qui décide de même pouvoir, c'est lui. Mais ça ne va pas respecter la loi, il viole la loi. C'est volontaire qui va faire ça, une dictature. Donc, une crasse institutionnelle. Donc, c'est cette réalité-là qui fait pas à nos portes. Donc, le tribunal a ligué trois premiers, il y a trois chefs d'accusation. Il y a violation de la Constitution. On va le dénoncer, écoutez, le fait que le président Jovenel Moïse, le voulait mettre sous pouvoir, donc, il est inconstitutionnel, illégal. On va mettre en phase également sur l'ensemble des décrets qui est adopté. Deuxième pilier, c'est l'aspect institutionnel-là. Parce que ce n'a pas les deux dictatures. Deuxième élément pour nous, c'est comment nous qui voulons prendre le pouvoir, écraser toute institution. Donc, comme il écrase l'institution, maintenant c'est sa volonté qui est au pouvoir. C'est lui qui dit ça de faire. Ok? Justement. Maintenant, troisième pilier, le troisième chef d'accusation, c'est violation des droits humains. Parce qu'il y a un élément qui caractérise une dictature, c'est de graves violations des droits humains. Ça veut dire que des massacres, ou bien nous appeler dans la prison. Par rapport avec les positionnements politiques ou encore tout simplement parce que la population voulait exprimer une idée contraire avant de se pouvoir et bien une forme d'organisation à travers des milices par exemple Bessa ou à travers Genève Yannier. Donc tout ça c'est eux qui démontrent que ou en pleine dictature. Donc tribunal là c'est un tribunal citoyen, donc ils vont protéger symbolique, la fête contre la dictature, donc on choisit trois piliers pour justifier la dictature en Haïti. Un, violation de la Constitution, puisque c'est la loi suprême. Mais on parle de violation de la Constitution, donc vous voyez tout arsenal juridique là, c'est-à-dire l'ensemble des textes qui constituent le corpus juridique haïtien, les violés, c'est ce qu'on parle de démontrer. Deuxième pilier, c'est côté que le président Jovenel Moïse crase toute institution, parce que pour volonté, nous n'avons pas assez comme dictature. Il faut qu'il crase l'institution, donc ça c'est deuxième pilier. Et puis troisième pilier, c'est violation de la humaine. Nous avons un élément qui caractérise une dictature. C'est de graves violations des droits humains. Et donc, à l'heure de 2017 à jeudi, eh bien, la population a arrêté de gérer massacré. Et je dis là, nous comprenons quelque part, nous ne pouvons pas exprimer. OK? Et ça fait, le tribunal, ça permet que la population le souverain qui parle dans nos verdicts. OK? Et verdict, ça, là, maintenant, c'est lui qui va appliquer le 28 février à l'occasion de cette grande mobilisation qui est initiée par le secteur protestant, mais de concert
avec la marche pour la vie et la fédération des barreaux au pays d'Haïti.